Abadiez, nous avons tenté de rentrer en contact avec le monsieur qui appelait tout à l'heure. Moi, je l'appelle le fou. Bon. Elle dit qu'elle l'appelle le fou. Et je ne sais plus ce qu'il veut dire. Peut-être te présenter des excuses. Hein. Allô? Non, moi, je veux tirer ça au clair. Hein. Je veux pas qu'il me présente des excuses. Oui, alors, monsieur, bonjour. Oui, Boris. Boris, en fait, c'est ce monsieur-là. Mais c'était une grosse surprise. Je t'emmerde, je t'emmerde. C'est pas possible. Je m'en doutais. En je me dis, attends, soit c'est une blague, soit il a fumé ou il a bu. Il y a un truc qui va pas. Je t'emmerde, quoi. Non, mais ça va pas. Abadiez, visiblement. Il y a quelqu'un qui n'a pas arrêté d'appeler depuis ce matin. Ah oui, c'est vrai. Ah bon? Parce qu'il est dans le secret des dieux, il a su que tu venais. Okay. C'est un jeune homme que nous ne connaissons pas. Franchement, on ne sait pas. Il a dit qu'il est admiratif et admirateur donc, de Abadiez. Il adore tout ce que tu fais. D'accord. Il tenait absolument à te parler. Il est super fan. Il, est, là, il est là, exact, vérifie. Allô? Allô, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous appelez comment? Oui, moi, c'est Boris. Boris? Oui. Et tu n'arrêtes pas d'appeler depuis ce matin, Boris. Tu as dit que tu voulais parler à Abadiez. Oui, justement. Mm-hmm. D'abord, je commence à dire que j'apprécie votre émission. Merci. Voilà. C'est une très bonne émission. Oui. Mais c'est Aval. Moi, okay. Je voulais lui parler directement. Oui, mais c'est bien pour ça. Ok, bonjour Boris. Abadiez, je vous écoute. Oui, bonjour. Il ne faut pas te savoir avec moi. Je ne suis pas content de toi. Ah bon? Voilà. Oh my goodness. Voilà, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Comment ça? Je m'excuse, mais ça, là, il n'y a pas gagné ça dans mon cœur. L'argent, là, c'est rien. C'est l'homme qui cherche l'argent. L'argent, là, n'est rien. Okay. Mais moi, là, ce qu'elle m'appelle, là, je ne vais pas oublier ça. Voilà. Avant, c'est une fille, elle est venue. Et je pense que tu es au Congo, là-bas, là. Tu savais que tu pouvais avoir joué. Oui, mais Boris, s'il vous plaît, calmez-vous. Boris. En fait, je ne comprends pas. Vous, quand, joueur, Boris, qu'est-ce que j'ai à voir avec Boris, calmez-vous. Quand vous nous avez appelé, vous avez dit que vous étiez un admirateur de Abadiez. C'est quoi le problème avec elle? Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une nuit, moi, mes deux fois, je suis en contact avec les joueurs. Vous voyez, plusieurs fois, quand ils viennent ici, je les mets en contact avec les filles artistes. Et quand on finit là, puisque ce sont mes vieux pères, je ne peux pas leur demander de l'argent. Les filles avec qui je les mets en contact là, c'est des filles là qui font mon montrer, font mon étude. Et vous pensez que c'est ici qu'il faut en parler là? Je sais pas où, d'où ce que. J'ai l'impression qu'il veut dire. Vous m'aurez présenté avec un footballeur et que je ne suis pas moi. Qu'est-ce que vous racontez là? Justement. Et on s'est entendu sur quoi, après sa nuit... Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Déjà que je ne te connais pas, je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais peu importe les raisons pour lesquelles tu le fais, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Je ne pratique pas ce genre de choses. Tu es vaincu. Tu sais, tu es vaincu. Je crois qu'on tu va. Es vaincu. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Non, il faut le laisser en ligne. Des personnes comme ça, c'est, elles sont très dangereuses pour les autres. Tu es une personne toxique. Je te connais d'où, moi? Je te connais d'où? On va se calmer. Oui, on va se calmer. Toi et moi, on s'est rencontrés où? Vas-y, toi et moi, on s'est rencontrés où? Nous sommes en direct, hein? Oui, laissez couler, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous et moi, je sais pas, toi et moi, on s'est rencontrés où déjà? Déjà, j'ai plus envie de vous voyez, vous êtes pas respectueux, je vous connais pas, Abadiez, c'est du grand n'importe quoi. Non, c'est très intéressant. Abadiez, nous avons tenté de rentrer en contact avec le monsieur qui appelait tout à l'heure. Moi, je l'appelle le fou. Bon. Elle dit qu'elle appelle le fou, et je ne sais plus ce qu'il veut dire, peut-être te présenter des excuses. Hein. Allô? Non, moi je veux tirer ça au clair. Hein. Je veux pas qu'il me présente des excuses. Allô, monsieur, bonjour. Oui, Boris. Oui. Boris, en fait, c'est ce monsieur-là. Mais c'était une grosse surprise. Je t'emmerde. C'est impossible. Je m'en doutais. Je me dis, attends, soit c'est une blague, soit il a fumé ou il a bu. Il y a un truc qui va pas. Je t'emmerde, quoi. Non, mais ça va pas. Non, mais. Tu m'as coupé. Non, mais je te jure, je t'emmerde pour de gentil. Pour de gentil. Non, pour des gentils. Pour des gentils. Pour des gentils. Non, mais comment tu vas? Il y a que toi pour faire des bêtises comme ça. Non, mais je te jure. Comment tu vas? Ouais, cool. Je t'emmerde. Je suis plus vaincu, Jasper. Non, mais ça, non, là, t'es vainqueur. Là, tu es mon lasso. Ouais. Tu es coudre, non, mais c'est pas possible. Ah, chaud, hein, tu m'as eu. Je me dis, mais c'est quoi ce jeu? J'ai même pas pris mon petit déjeuner. Je cours, j'arrive. On me dit que je gérerai un footballeur que je n'aurai pas de ton pourcentage. Non, mais tu me prends pour de l'avion. Non, ah,
Non, mais c'est que je m'apprêtais à te... Heureusement, tu es rentré avec le téléphone. Heureusement. C'est parce que j'avais été montée au téléphone. Est-ce que... Non, tu allais me voir au téléphone. Non, non. On n'entend pas, tu allais me voir. Ma tête est mal coucou aussi, ma yoko. Ah, voilà pas. Amadi, c'est notre invité. C'était la grande surprise qu'on tenait à faire. Alors, il fait partie donc de l'équipe. Ben, je le connais. Elle le connaît en plus. Ah, d'accord, voilà. On l'a rencontré lors de Happy Holidays. Yeah. Je l'aime bien, je t'aime bien. Ouais. Bon, pas ce matin quand même. Hein. Ouais, pas ce matin. Tu m'as fait un truc de ouf, mais t'es ouf toi.